Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Call of Duty Vanguard pour une nouvelle série. Et c'est la première fois que je vais faire ça, mais c'est la première fois que je vais couvrir un Call of Duty en histoire. Alors, il y a beaucoup de Call of Duty que j'ai le Cold War, WWE2, Advanced Warfare. Jamais je vous ai fait de campagne sur les Call of. Et aujourd'hui, le Vanguard, franchement, bah voilà, c'est une bombe atomique. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Là, on va dire, la zone historique d'ombre qu'on a beaucoup encore sur elle. Bon, c'est beaucoup de choses. Me fascine vraiment. La Deuxième Guerre mondiale est une période historique qui me fascine tellement. J'ai été au plage du débarquement pour pouvoir aller voir. J'ai été notamment à pas mal de villages dans les Ardennes belges et françaises pour notamment la guerre des Ardennes, enfin la bataille des Ardennes. Il y a plein de choses. Je pense que s'il y a un lieu que je devrais visiter pour la Deuxième Guerre mondiale, ce serait Stalingrad. Et on va pouvoir le faire ici grâce au jeu. Donc, alors, Call of Duty Vanguard, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas genre une zone qu'on va jouer. C'est pas comme sur WW2 qui couvre aussi la Deuxième Guerre mondiale. On couvre vraiment les alliés américains qui débarquent et qui vont jusque Berlin. Là, c'est complètement différent. On va passer de Stalingrad avec les soviétiques au débarquement en France. On joue avec des Français, des Anglais. On va jouer avec Français, Anglais, Américains et Russes dans le même jeu. Franchement, c'est vraiment hyper bien. Et on est parti pour le Call of Duty Vanguard en campagne. Donc c'est une découverte aussi pour moi. Comparé aux autres jeux, je l'ai déjà fait, mais ici c'est une complètement découverte. On est parti en campagne. Alors, on se regarde automatiquement. Alors, pour ceux qui jouent pour la première fois, non, Dumcas. Vos compétences au combat seront mises à l'épreuve. Commando, allez-vous. On va jouer en deuxième classe. Nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir trop difficile. C'est vraiment l'histoire qui nous intéresse. Et bien sûr, s'amuser, bien sûr. L'Allemagne nazie. On est parti. Le dernier arrêt dans le voyage de l'horreur. Le SOE avait placé 5 combattants sous mon commandement pour une raison bien simple. Et récupérer des documents sur le trait confidentiel Projet Phoenix. Le dernier espoir du Troisième Reich. Une coalition de commandos alliés et envoyés pour attaquer l'ennemi là où ça fait mal. C'était censé être notre seule et unique mission. Ok. Contractant avec une grosse mission. Dans le chargement, c'est bien, on a une petite cinématique, c'est cool. Vanguard. Beau logo, hein, en vrai. Sympathique. Alors. Après, bien sûr, le jeu est édité par Ubisoft. Non, par Activision. Donc, voilà. Problème de chargement, on connaît. Mais ça devrait aller. On devrait avoir des grosses cinématiques. On démarre sur un train. Oh, on démarre en 1945 direct. Quel monde, hein? Qui est prêt à le sauver? Das Vidania. Ah, on joue des... Allons-y. On donne tout. Ok. Alors, juste avant, on va faire juste ça. Paramètres. Audio. Et ce qu'on veut, le dialogue, c'est au maximum. Ok, c'est bon. Tu crois qu'on peut y arriver? Si on arrive à sécuriser le train, on aura une chance. Alors, des 5, alors il y a des personnages, hein. Notamment.
y a des personnages dans le tas. Wade, c'est un personnage. Mika, c'est un personnage. Lui, c'est un personnage, c'est Arthur. Et il y avait la snipeuse qui était là quelque part avant. On est parti. Quand tu veux, Novak. Alors, je sais pas quel personnage on joue, nous, là, actuellement, mais. Ah bah là c'est c'est Pauline. Excellent. Je vais vous couvrir depuis ce wagon. Que ce soit clair, ils doivent surtout pas nous voir venir. Elle c'est une snipeuse. Bon, c'est une mission infiltration. Comment ça va, hein? Choisis ta victime, Petro va prendre un autre. Elle rate jamais. Elle rate jamais, donc c'est une snipeuse d'élite, hein. Bon, on est parti. La porte est verrouillée. Trouve un autre moyen d'entrer. On doit passer par où? Il y a un rebord là. Utilise-le pour te faufiler à l'intérieur. Ah non, par le côté. Ok, on est bon. Putain, laisse-en pour nous, Novak. Bah non, non, non. Moi, on me dit, faut y aller, j'y vais. Effectivement, non. Il attaque ses Allemands par le flanc. T'as fait Wade. Non. Faut passer sur le côté, saute plus loin. Ça, je sais pas où il faut aller, c'est pas un problème. Mais bon. Laisse-en pour nous, Novak. Alors, je sais pas du tout c'est quoi la durée de jeu, la durée de vie du jeu. On m'a dit que l'histoire était incroyable. Notre mission secrète n'est plus si secrète que ça. Pour la manière forte. Monte dans l'autre train et attaque ces Allemands par le flanc. Ok. Prenons pas de risque. Prends-toi. Attention, les camions. J'ai pas de shoot ou quoi? Allez, casse-toi. Salut. On y va. On a l'arme cheatée, hein. On fait un petit séduit. Allons, tue les SS là. Mais puis merde, je monte sur le toit. Tu pourras pas te mettre
couvert là-haut. T'écoute pas. Les boches dans le camion. Ah, et puis merde. Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel? Tu cherches à te faire descendre ou quoi? Attention. Wow. La merde hein. Il est où? Ah, vous êtes là, putain, vous avez pas vu. Ok, dégage. Nova vient de détruire un autre camion. Dégage. Allez. Si c'est ça, si c'est ça, c'est stylé. Ouais. Moi, bon, j'espère qu'on aurait dû faire ça, mais non, c'était stylé. Faut pas détruire le camion là, faut passer dessus. On ferait mieux de se dépêcher. D'après la carte, la voie va bientôt se séparer en deux. Il manquait plus que ça. Le meilleur visée que celle-là. Il a volé lui. Bonjour le Novak. Cessez le feu. La tourelle. On est déjà en 45, c'est déjà fou. C'est quand même fou quand même. Oh, on a eu chaud là, on a eu très très chaud. Recharge. Putain d'astraque. Attention la mitrailleuse. Je vais le contourner. Neutralise ses proches. Je rêve où Riggs est dans ce putain de char. Putain Riggs. GG. On va voir, je parle pas parce que je me concentre. Mais pour l'instant, ça me plaît hein. Petit wagon là, tranquillou. Novak, faut que tu tues le conducteur. J'ai tué l'autre conducteur déjà. Les voies se séparent, saute.
YOLO. Cours. Ok. On y est. Et voilà le travail. Maintenant qu'on s'est bien fait mitrailler, l'officier en chef aurait l'amabilité de nous dire ce qu'on fout là? La base navale est notre dernière étape. Une fois à l'intérieur, on sécurise l'objectif. Il veut qu'on le sécurise. En revanche, il ne peut pas nous dire ce que c'est. Kingsley maintient le mystère depuis le début. J'espère que c'est pas une énième chasse aux œufs de Pâques, si? C'est vrai ça. C'est quoi le but de la mission? On sait pas vraiment. T'es en train de me dire que le putain de SOE, c'est rien? Vous savez quoi? Je vais aller mettre les freins. Tout ce qu'on a, c'est un nom. Phoenix. Donc en fait, on n'a aucune idée de contre quoi on se bat. Notre mission, c'est justement de trouver. Selon le SOE, les nazis sortent quelque chose d'important d'Allemagne. Peut-être des documents. Le Saint des Saints. Et nous, on est là pour s'en emparer. Si c'est si important, pourquoi ils n'ont pas envoyé l'armée? Ils l'ont fait. On est six. Hé hey mec, on n'est pas de la même armée. Putain, on n'est même pas du même continent. Silence! Ok, pour moi, c'est peut-être la phase finale qu'on joue avant. Foutue mission suicide. Les gradés nous ont choisi tous les six pour une attaque rapide et un départ discret. Cette mission est pas pour l'armée. Une armée, c'est trop bruyant, trop lent. Richard a raison. Ils vont pas nous voir venir. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, on sera déjà loin. Tout le monde a bien compris le plan. Je tire sur les nazis. Ils meurent. Voilà. Allez, les Russes. Il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Américains. Et je pense qu'il y a les 4 nationalités là. Allons récupérer ces documents avant que les Fritz nous remarquent. Je vais vous couvrir depuis ce wagon. Putain! Je déteste les chiens. Mon boulot, il est prêt. Eintringlinger! Attention! Quoi? Vous avez été tué par un chien. Attaquez avant qu'il s'approche. Ok. J'avais pas vu le chien, mais pourquoi pas, ok. Ok, ok. Les chargements sont longs. Sur Activision. Pour moi, on joue la fin. On joue la fin là. Mais. L'entrée se trouve. Voilà. Derrière la carte. Allons récupérer ces documents avant que les Fritz nous remarquent. Je veux pas ça, moi je veux juste ça. Je vais vous couvrir depuis ce wagon. Putain! Je déteste les chiens. Ça me fait tes renforts! Attendez! Allumez-les! Pas rechargé. On y va! Après, je joue silencieux, on n'a pas le temps. Là.
Ok, et là on fait peindre le monde. On a plus de balles là. Le munition. Fais chier, je vois rien. Et attention, ils arrivent en nombre. J'aime pas frapper les animaux, ça je vais vous le dire, mais... Allez, on y va. Ok. La porte à gauche. Plus on est de fous et plus on rit. Ouais. Trouver la salle de contrôle. Ça doit être ça. Je pense que j'ai pas les munitions. Ok, allez hop, recharge. Jackson, la porte. Ok. Ah, je vois où on est. Visiblement, ils étaient pressés de partir. Senpen. C'est une des maps du jeu. Il faut faire quoi, nous? Fouiller. Voilà. Phoenix, on doit être tout prêt. Mais plus pour longtemps. Les Bosch chargent leurs secrets dans un sous-marin. Vous les voyez traîner ce coffre? Je vous parie que c'est ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est l'heure de sortir l'artillerie lourde. Ah, ça me plaît. Attendez, vaut mieux rester discret. Arthur? Quoi que contiennent ces documents, c'est le secret le mieux gardé du Troisième Reich. Ils l'ont gardé ici, dans le trou du cul du monde. Et alors? Ça n'a aucun sens. C'est comme laisser les joyaux de la couronne devant la porte. Il y a presque personne pour les surveiller. Alors que toute l'armée allemande devrait monter la garde. Je crois qu'on n'est pas les seuls à ignorer ce qu'est Phoenix. Tu insinues que les nazis cachent des choses aux nazis? Tout ce que je dis, c'est que les plus dangereux sont les gardiens de ces secrets. Ouais, c'est pour ça qu'on est venu armé, pour les buter. C'est bon, on a fini? Ces documents vont pas tarder à sortir d'Allemagne. Vous trois, prenez la passerelle et oubliez la discrétion. Tâchez de gagner du temps. Webb et Novak, avec moi, on prend le bateau. Ok. Allons-y. Voilà, ça me plaît, hein. Pour moi, on joue. Ouais, pour moi, on joue vraiment la fin. Et puis, on aura un flashback. Et si vous pouviez trouver comment sortir de ce trou, ça serait bien. Ne tire pas dessus ou on part sans toi. Bon, ici, on connaît bien la map. Hein. Novak, tu l'es. Tête. Groupe ennemi. Ok. Je crois qu'on a réveillé la bête. Tu m'étonnes. Cette fois, il n'y a pas de champ de mine. Cette fois, il n'y a pas de champ de mine. Quoi. Ils racontent un peu leur vie et... On est en 45 et on est avec tous les potes. Hein, donc... pour moi, normalement, on est en fin... On est en fin de jeu. Mais on va faire un flashback après. Sous-marin.
peut fouiller les mecs, c'est cool pour récupérer des balles comme ça. Arthur, là. Ah, c'est chaud, hein. Hop. Ok. Récupérer l'arme, mais moi je veux juste fouiller. Alors l'arme là, c'est une des plus pétées. Hein. Est sur le point de partir. Ouais, on y va, on y va, on y va, t'inquiète, t'inquiète. Le sous-marin est dans le prochain bunker. On touche au but. Notre équipe est sur la passerelle. Viens voir, attention où tu tires. Ah, c'est votre équipe, merde. Moi je vois des mecs, moi je tire dessus. Hein. On a éliminé tous les nazis. Les ai vu charger la caisse dans ce sous-marin. Couvrez-nous, on embarque. T'as des bonne photos, chance, les amis. Je vais essayer de trouver la sortie. Voilà la trappe, on y est, les gars. Richard, couvre-nous. Novak, tu passes devant. Trouvons la caisse et sortons d'ici. Droit devant. Attention à ton chef. Bienvenue dans un U-boot, les amis. Faut qu'on arrête. La terre des océans soviétiques. Russe. En allemand. On va dire russe. Politique. Dépêche-toi. On peut pas laisser ce truc tomber. Recule. Recule. Élimine-les. Attention! Tu n'as rien? Non, je n'ai rien. Ah bon. Ça doit être la salle de contrôle. Ouvrons cette trappe. Ne t'éloigne pas. Je lance une grenade. Dégagez! C'est pratique. Ils sont morts. C'est pratique. Ah, c'est pas très grand, hein. C'est des sous-marins nucléaires, enfin, même pas nucléaires, des sous-marins de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Voilà la voie. Par petite trappe comme ça. Hein. À toi l'honneur, Novak. C'est toi le forceur de coffre. Ah bon? Quoi jeter? Arthur, on n'entend plus les sirènes. C'est mauvais signe. On doit y aller. Tout de suite. Novak, aide-moi. Une grenade, attention! Novak! Novak! Fait mal, ça. Wade. Oh, on est prisonnier. Bretinculus. Un Australien. Et aussi ça. Finissons-en. Merveilleux. Tu te prends pour un Britannique. Je suis de Cambridge et fier de l'être. Tu devrais savoir qu'il ne vaut mieux pas gâcher ma soirée.
La sonate numéro 4 de Beethoven est magistrale. Mais certains passages requièrent toute mon attention. Contrairement à toi. Le nègre aussi donne des ordres dans ta langue. Et tu lui obéis? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Er spricht auch Deutsch! Je t'en prie, continue. Cet accent de Rhénanie, tu dois être de la Neustadt. Pendant l'occupation, tu as vu des soldats français qui me ressemblaient envahir vos rues, épouser vos femmes. Voilà ce que j'entends quand tu parles allemand. Charmant. On vous a balayé une fois. Et t'entends ces bombes, ça veut dire qu'on recommence. Balayé, dis-tu. Balayé. Un choix de mots intéressant. Je te le répète. Finissons-en. Je sais. C'est ce que tu veux. Tu veux te sacrifier pour être un leader. Mais je ne suis pas là pour te faire plaisir. Bien au contraire. Non, non. C'est moi qui prends cher. Que vous devez amplement mériter. Débarrassez-vous de ça. Mettez le reste dans le camion. Ok. Novak. C'est pas possible. Les gens meurent. Quand le commandement est à chier, les gens se font péter. Et tu peux me dire en quoi c'est la faute d'Arthur? C'est à cause de lui. Et de Wade. Cet enfoiré a abandonné son équipe. T'as pas tort pour Wade. Si jamais je le revois, je jure que je lui fracasse le crâne. C'est ça. Accusons-nous nous-mêmes plutôt que les Allemands. Ces hommes incapables de ravaler leur fierté. Faut dire que notre fierté en a pris un coup aujourd'hui. Est-ce que c'est censé m'impressionner? Du calme. Quelle importance? Freisinger va tous nous tuer. Freisinger? Le nazi. Celui qui a tué Novak. C'est pas un vieil ami à toi? Disons qu'on se connaît. Ah oui, et on comment... oublie Freisinger. Arthur va nous sortir de là. Quoi? Parce que c'est ton pote? Il l'a pas toujours été. Mais je l'ai vu à l'œuvre. Il y a des morts. C'est la guerre. Parfois, la seule façon d'honorer la mémoire d'un soldat mort, c'est de terminer la mission. Mais c'est pas facile à encaisser. Quand son sang est encore sur tes bottes. Ok, elle apprend plein de choses. Hein. Pour diriger, il faut savoir ce que c'est que de perdre des hommes. De les voir mourir alors qu'ils nous faisaient confiance. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, j'ai compris. Le jour du débarquement. Ah. Bon, les gars, écoutez-moi. On a jusqu'à l'aube pour réussir la mission. Visiblement, les Boches sont au courant de notre arrivée. On n'aura droit qu'à une tentative pour démolir l'artillerie côtière. Si on échoue, l'invasion de demain n'aura pas lieu. Vous avez été formés pour ce moment. Alors vous ridiculisez pas devant la Navy. Prenez ces casemates, explosez l'artillerie et lancez vos fusées pour prévenir la flotte.
Ok, débarquez. Bon, nous y voilà. Vous avez l'habitude. Debout. Mousqueton. Tenez-vous prêts. On se voit en bas. Go. Ouais, donc deux parachutes hein, en avant-ral. Parachute ventrale qui était ouvert. C'est cinématique, hein. J'ai rien fait. Et ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà, ce qui est bien c'est qu'on voit plein de choses, regardez dans les menus, ici ils disent dernière sauvegarde, donc voilà on est en 2021, c'est cool. Il est 7h46 du matin, vous pouvez le savoir. Donc voilà, je pense que c'est ça, je pense qu'on a joué une des dernières missions du jeu. On s'est fait capturer, et là ils sont dans les wagons. Enfin, ils sont dans le prisonnier et on va revivre un peu toutes les histoires de chaque personnage, je pense. Et on commence par, on va dire, le leader, Arthur. Donc, c'était bien ça. On a une Russe, on a un Australien. Je pense qu'on avait... et on avait deux Anglais dedans. La Française n'est pas là. À voir. On n'a pas d'Américain encore pour l'instant. Mais bon, on verra bien. Bon, on verra bien. On se retrouve la fois prochaine pour le deuxième épisode de Call of Duty Vanguard, la campagne. Allez, bye bye.